Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo sur le jardin. Alors, cette fois-ci, il ne s'agit pas du jardin que je fais là dans ma maison, les petits semis. Il s'agit de ce que j'ai planté à l'école. Voilà, il y a quelques temps, je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais donc j'avais planté des petits pois à rames, vous les voyez, et je les avais plantés à l'école, dans le jardin de l'école. Alors, les petits pois, je vous montre les graines. Voilà, bah c'est ce qu'on mange hein, quand on mange des petits pois. Hein. En fait, on mange les graines. Et je les avais plantées dans le jardin de l'école. Voilà. Et puis, bah, chaque fois que je viens, qu'on fait la classe virtuelle, et bah, j'arrosais un petit coup. Et puis, aujourd'hui, voilà, en arrivant. Eh bien, j'ai découvert que ça y est. Vous voyez là, les petites pousses vertes qui sont là. Eh bien, ce sont les petits pois ici, là, qui sortent. Ça y est. Donc, on en a un autre ici qui sort. On en a un autre là qu'on peut deviner. Là, la petite pousse verte. Il y en a un autre ici. Voilà. Et puis, j'en vois un autre. Là, donc voilà, les petits pois ici aussi sont tous en train de sortir. Donc dans le petit, j'avais mis dans le petit jardin là qui est entouré de tuiles. Donc voilà, c'est parti. À chaque fois qu'on fait la classe virtuelle, bah, j'arrose un petit coup parce que vous avez vu qu'il fait très très sec. Et donc ici, bah, pour le moment, il n'y a rien. Alors on peut pas dire qu'il n'y a rien parce que regardez, si je m'approche, il y a un petit pissenlit. Dans le petit pissenlit, ben, il y a une abeille qui est en train de faire son travail, qui est en train de butiner tranquillement. Personne ne l'embête en ce moment, elles sont bien. Il y a moins de pollution aussi, donc c'est parfait pour elles. Donc nous, on est peut-être confinés, mais il y en a au moins qui sont tranquilles. Voilà pour ce petit point jardin. Donc ben, je vous montrerai régulièrement. Hein. Comme ça, on verra un petit peu l'évolution des petits pois. Et eux, comme on peut les planter tôt, ils craignent pas le froid, ben on peut espérer les manger là, à la fin du mois de juin. Voilà, tous ensemble. Allez, à bientôt!